like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul random AliExpress. Donc on a acheté avec Sébastien des petites vacheries et on voulait vous les présenter. Donc la première chose, c'est une combinaison en néoprène comme ça. Tu vois le truc qui te fait transpirer à mort là? Eh ben il a voulu acheter ça. Donc en gros ça fait le short et le haut. Donc il ne l'a pas encore testé, il y a encore l'étiquette dessus et il vous dira ça. Bientôt, hein. Je pense que ce sera dans la vidéo où on parlera du ketone et du Cambodia, je sais pas quoi là, les compléments alimentaires pour pouvoir voir si il a réussi à perdre un petit peu et puis s'il y a des choses qui, parce que lui il teste beaucoup de choses. Moi les régimes, j'en ai rien à taper, hein. Moi je m'aime comme je suis, mais lui je sais pas, il aimerait bien avoir une silhouette un peu plus élancée, un peu plus, voilà quoi. Donc du coup je vous donnerai quand même, là ça peut être sympa comme vidéo à faire avec lui par exemple, de vous dire un peu ce qu'il a essayé de faire et puis si ça a fonctionné ou pas, parce que pour le coup, en général c'est beaucoup les gonzesses qui font ça, mais pas beaucoup les hommes. Donc là ça sera l'occasion. Ensuite j'ai commandé des petites choses comme ça. Alors ça c'est quoi? Bah ça c'est tout simplement des coins de table qu'on vient poser pour que le bébé, il tape pas la tête dedans, pour qu'il se fasse pas mal. Donc j'ai hâte de les poser parce que le pauvre il se tape des fois la tête dedans dans les coins en verre et ça fait très mal parce que moi j'ai dans le salon j'ai une table up and down comme ça qu'on monte et qu'on descend, donc elle fait tantôt table de salon et tantôt table de salle à manger. Voilà, on mange dans le salon là, sur le canapé, donc tu vois le truc. Ensuite ça fait un peu de bruit, excusez. Ensuite à ça, alors suite à ça on a quoi? Ouais, je ouvre le paquet. Fille qui parle bien français. Là, c'est des LED. Donc, c'est une guirlande LED que tu branches avec sur secteur et qui te fait soit l'encadrement du lit, soit autour d'un meuble. Comme ici, je pourrais l'installer autour du meuble pour faire genre c'est lumineux. Voilà. Et il fonctionne super bien. Hein. Je l'ai testé chez ma belle-mère. Pardon pour le bruit. Et il fonctionne super bien. Et voilà, le transfo, il se présente là-dessus, enfin là-dedans, c'est bien emballé, il n'y a pas de souci. Et eux, ils se trompent pas dans le plug, enfin la prise, ils te la font européenne, ils ne te l'envoient pas américaine, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que je vais vous présenter? Tadam! Alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Allez, quiz! Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Hein? Non, vous savez pas? Alors, je vous explique. Ça, on a un cure-dent, comme ça, un cure-dent. Et on vient faire les traits, en fait, blancs. On vient les scratcher, les gratter au cure-dent. Et en dessous, c'est... en fait, c'est comme du tableau noir, ça, en fait. C'est de la peinture comme tableau noir, quoi. Et du coup, quand vous venez la gratter, il y a des couleurs. En fait, c'est un papier couleur sur lequel... on a recouvert de peinture, de tableau noir. Et quand on gratte, il y a la couleur qui sort, qui ressort. Et donc, du coup, la petite fille, elle est multicolore. Ça, c'est super sympa pour les enfants quand il y a des activités à faire. Je trouve ça génial. Donc, j'en ai commandé. Bon, franchement, je vous avoue que je pensais qu'il serait un peu plus gros. Mais bon, c'est des petits, donc c'est pas grave. Et de l'autre côté, il y a les mêmes dessins, mais... non, d'autres dessins, même pas les mêmes, pour colorier. Donc, on a les deux. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc pour les activités d'enfants, machin et tout, bon, c'est vrai que à la base, Hugo est un peu petit, mais il avance à une telle rapidité, franchement, que ça, à mon avis, je les utiliserai très, très, très bientôt. Et ça passe vraiment trop, trop vite. Donc ça, c'était pour un peu... je vous dis, hein, c'est vraiment random. Hein. Là, je vous montre une robe. J'ai celle en noir, enfin... noir et blanc inversé, c'est-à-dire noir à l'intérieur, blanc les rayures. Et celle en orange. Et triple XL, ça me va super bien. Je fais du 46-48, donc c'est hyper... franchement, j'ai vachement aimé. Donc, je vous la recommande. Je vous mettrai les liens aussi de la orange, qui est vachement top. Que je mettais quand j'étais enceinte avec un bidon de ouf. Et qui est hyper extensible, qui est super. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, je vous montre. C'est de la daube.
J'ai pris ça parce qu'un jour ça m'a fait penser à Lady Gaga. J'ai dit ah ouais, tiens, pour conduire quand t'as les mains moites et tout. Donc là, c'est des mitaines un peu ouais, pour se la taper quoi. Mais en fait, elle se découse. Donc voilà. Donc je pense que ma belle-mère pourra me faire un point, mais sinon, je ne recommande pas parce que c'est pas de la bonne qualité. Voilà. Ensuite, j'ai pris des strass. Comme ça, bon, je vous les montre pas parce qu'ils sont emballés, hein. Mais c'est des strass avec de la glu sur la face. Vous savez, quand vous mettez des strass sur vos ongles, et bien en fait, sur la face que vous posez sur l'ongle, il y a du thermocollant. Ce qui fait que, en théorie, quand vous passez, quand vous mettez, enfin, c'est pour customiser les t-shirts et tout ça, les drapeaux, les tout, les tissus, quoi. Vous posez votre thermocollant, vous passez un coup de fer dessus, avec la chaleur, c'est censé coller sur le tissu. Bon, après, il y a des machines qui sont spécialisées pour les strass thermocollants, comme ça, où vous posez... en fait, c'est comme comment te dire, un fer à souder. Donc, tu vois comment est un fer à souder ou pas? Une petite pointe, mais avec un embout incurvé, enfin creusé, où le strass, il prend la forme, en fait. Enfin, t'as compris ou quoi? Et puis en fait, ça chauffe le strass, du coup ça chauffe la colle, et donc du coup ça te pose le strass sur ton t-shirt. Dieu, là il est trop tard, je peux plus expliquer les choses. Si t'as pas compris, tu me demandes en commentaire, je te dirai. D'accord? Bon. Parce que il est plus de 2h du matin, non. Ensuite, ma doudouce, ma marraine. Enfin, pas la mienne, celle d'Hugo, qui m'a demandé, parce qu'elle va attendre elle attend un petit garçon, elle m'a demandé des tsum-tsum. Je connaissais même pas ce que c'était qu'un tsum-tsum, tu sais. C'est une bébête, en peluche, avec le truc porte-clé, là, tu vois, qui fait 9 cm. Et c'est tsum-tsum, c'est Disney qui a sorti ça. Et en fait, c'est des bébêtes que tu peux empiler, en fait, pour faire des murs et tout. Mais à l'effigie, en fait, des héros Disney. Donc là, il y a Winnie the Pooh, il y a Bourriquet ici, Tigrou ici et Porcine là. Et donc, en fait, il y a des... comment te dire? Il y a des collections. Alors, il va y avoir collection Winnie the Pooh, il va y avoir... Enfin, Winnie l'ourson. Il va y avoir des collections, je sais pas trop, Mickey, Minnie, machin et tout. Et là, en fait, je lui offre... Enfin, je lui ai commandé ça. Parce qu'elle ne peut pas acheter avec une carte bleue par internet. Donc c'est pour ça, je lui achète et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était ce petit truc-là, sympa pour... Mais ça coûte une blinde en fait ça, en vrai. Hein. Ça coûte super cher, c'est pour ça il veut... Le père, il veut... Enfin son père, enfin son mari quoi. Il veut en acheter un tous les mois, tu sais, pour faire le mur. Mais comme je lui dis, bah, attends, moi je peux peut-être t'en avoir moins cher. Donc bref, c'est tout. On passe au dernier article que j'ai à vous présenter, donc ça aura été quand même un haul assez rapide. C'est un podomètre, c'est-à-dire que c'est un truc que tu vas clipser à ta cheville pour qu'il compte combien de pas tu as fait depuis que tu es parti de tel ou tel point, ou le matin ou quoi. Et ça peut te donner les calories, les kilomètres, parce que voilà quoi, et les miles que tu as fait. Voilà, 22, alors là, il a essayé, 2,6 calories, ça c'est quoi, 99 pas, voilà, 0,043 miles et 0,07 kilomètres, donc 7 mètres, tu vois le truc? Un truc qui sert quand même que à te dire, je fais régime, donc je compte combien je perds. Ou combien je marche. Donc je pense que ça, par contre, je suis susceptible de lui voler, emprunter. Donc ça, ça va pas coûter cher non plus, ça a coûté peanut. Hein, donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. Il a été très court, mais très enrichissant pour vous, je pense, parce que les Tsum Tsum, fallait quand même l'inventer. Donc voilà, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles, ciao! Have you ever felt? Are you listening? Damn.